fin de deuxième. Balle frappée vers le fond de Bellevue qui échappe cette balle et Miller est en course. Il la sauve. Le lance. Balle frappée solidement dans l'allée du champ droit. Cette balle va tomber en lieu sûr et donne contre la clôture. La France contourne le premier. On pousse Miller au troisième. Et premier coup sûr dans ce match, c'est un double qui appartient à Kyle LaFrance. Le lance, balle frappée, elle perce la manchette. Miller marque le premier point des Aigles et LaFrance termine sa course au troisième. C'est maintenant 1 à 0, Trois-Rivières. Tir de Gélina, balle frappée mollement à la manchette. Saisi par Malo qui échappe cette balle, tout le monde est sauf. Un point marque, c'est maintenant 2 à 0 pour les Aigles. Balle frappée vers Bill au deuxième qui saisit après deux bons, remet au deuxième pour un. On ne touche pas au courant, tout le monde est sauf. C'est maintenant 3 à 0 pour les Aigles. Malo est en furie comme l'officiel de la montagne. Le lance. Balle frappée, elle perce la manche du côté droit. Brown vient marquer et on stoppe maintenant au troisième. Tout le monde est sauf. C'est maintenant 4 à 0 pour les Aigles. Voilà enfin le troisième manche avec une avance de 4 à 0 pour les Aigles. Tir de Gélina. Balle frappée solidement au champ centre gauche. Le voltigeur recule à la prise d'avertissement et l'air sur la lune. Carlos Guzman quitte la couche en gauche. Début de quatrième manche ici à Trois-Rivières, les Aigles qui mènent par la marque de 5 à 0 sur les capitales de Québec. La balle est frappée de l'autre côté de la clôture. Cette balle ne semblait pas avoir beaucoup de puissance, mais c'est une claque. Un long circuit de 2 points. Une sixième, les Aigles qui mènent par la marque de 5 à 2. Balle frappée par Gobo au troisième qui bloque la balle, échappe son gant et échappe la balle également. Tout le monde est sauf. La tire, balle frappée solidement dans la gauche, elle tombe en lieu sûr. Et un point marque. Et tout le monde avance de 90 pieds, c'est maintenant 5 à 3 pour les Aigles. Balle frappée solidement du côté droit, elle perce l'avant-champ. Et un point marque, et tout le monde avance de 90 pieds. La balle, je veux dire, échappe à Mellon, n'est pas habitué de jouer au champ droit. Finalement, on stoppe. Short au troisième. Un point marque, c'est maintenant 5 à 4 pour les Aigles. De Brasco. Balle frappée mollement à l'avant-champ. Guzman attaque cette balle. La saisie remet au premier. Attend pour le premier retrait. Mais sur le jeu, shot bien marqué. C'est maintenant l'égalité 5 à 5. De Brasco. Balle frappée mollement à l'avant-champ. Guzman attaque cette balle. La saisie remet au premier. Attend pour le premier retrait. Mais sur le jeu, shot bien marqué. C'est maintenant l'égalité 5 à 5. Voilà en fin de 11e manche. Égalité qui persiste 5 à 5 entre les capitales de Québec et les Aigles. On dépose un mortier du côté gauche. C'est bien fait. La balle roule, roule et roule. Elle est en jeu. Indique l'officiel de la montagne. Wow, quel amorti de la part de Guzman. Wow. Cette balle a longé la ligne du troisième but tout le long avant d'aller atteindre le coussin même. On a décidé de regarder rouler la balle du côté de la défensive des capitales. Balle frappée mollement, balle en sort, la balle lui échappe. Tout le monde est sauf.